What? Jester il est gelé, mais attends, mais il s'est fait tuer, wesh! Vous comme moi les amis, on adore l'univers de Garten of Banban. On a à peine fait il y a quelques semaines le chapitre 6 du jeu, que apparemment on peut déjà voir à quoi va ressembler le chapitre 7. Non officiel bien évidemment, mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'il s'est introduit directement dans le chapitre 7. C'est totalement crazy man! Bref, j'espère que vous êtes prêts les amis, on est parti pour regarder une vidéo qui s'appelle Siryn John tue Jester. C'est un truc de zinzin frérot. Let's fucking go! On est parti les amis, let's go! Oh, il est dans un endroit un petit peu bizarre, un petit peu obscur. Alors j'ai mis les sous-titres les amis, comme ça quand ils vont parler, on va à peu près comprendre ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai qu'ils parlent rapidement. Alors il y a un code? Apparemment c'est pas ça frérot, apparemment c'est pas ça le code. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oui, Siryn John comme ça là. Il nous fait rien? Il est gentil? Tu es gentil Siryn John? Oh. C'était un choix difficile. Tu m'as sauvé mais... Apparemment, je l'ai tué? J'étais sûr que tu ferais le contraire. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est assurer que sa mort n'était pas quoi? Attends, il y a une mort? Qui est mort? Jester? Jester est mort? Oui! N'était pas vaine. Écoute, ce qui s'est passé, ce que tu as fait de violence et le mal, rien de tout cela n'est la réponse. Apparemment, la réponse n'est pas la violence. Ne repense absolument pas à ce jour où tu as décidé de venir dans cet enfer. Pour ton enfant. J'avoue que c'est un enfer, hein, Garten of Banban. Tu ne penses pas que tu étais différent, alors? Tu ne penses pas que tu étais différent? Ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce que c'est que cette traduction? Apparemment, tu as juste essayé de survivre, mais la violence attire la violence. C'est ça qu'il a voulu dire. Oh! Oh! Attention! Apparemment, il y a un étranger, Siryn John, qui sont dans la résistance. Apparemment, ils veulent combattre les imbéciles, mais ils nous traitent d'imbéciles, mais c'est des malades. C'est incroyablement stupide, mais encore plus stupide. Faisant confiance à Siryn John et son ami. On verra bien ce qui se passera. Je doute qu'il vous ait dit que Banbalina ne serait pas un bon professeur. Pourquoi il y a des lettres partout? Il y a des lettres et des chiffres un petit peu partout. Apparemment, faut apaiser Banbalina. Quoi? Je dois trouver comment ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il parle? Apparemment, il ment sur tout le monde. Il ment sur sa propre armée. Il essaye d'être contre tout le monde, en fait. Mais c'est qui parlait, là? C'est Banban, on est d'accord? C'est Banban maléfique, là. C'est qui parle avec la voix comme ça? La violence. It's time to see who's strong. C'est l'heure de voir qui est le plus fort. Oh. Ouais. On appuie sur des espèces de lettres. Alors, je sais pas pourquoi il appuie sur les lettres, le frérot, mais il le fait. Attends, pourquoi il y a des lettres et des chiffres? J'ai l'impression qu'on fait un peu l'alphabet. Est-ce qu'on verrait pas Banbalina un moment? Est-ce qu'on la reverrait pas? Dadadou. Oh, il y avait marqué Dadadou, mon gars! Mister Dadadou! Celui qu'on a vu dans le chapitre 6. Celui qui a défoncé Jester et défoncé Banban, je crois. De souvenir, parce que j'ai une mémoire un peu de poisson rouge. Hein. C'est bon, c'est ouvert. Let's go! Ok. Putain. Il y a des fresques de... Il y a les fresques d'un peu tous les personnages. C'est bien fait, hein. Franchement, on se croirait vraiment dans le chapitre 7, hein. C'est super bien fait, mon gars. Oh. Attention, ami. Tout le monde en classe, je répète. Tout le monde en classe. Attends, ça vient de par ici. Quoi? Il y a un cours de... Il y a un cours de classe qui se fait, là, à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, faut se cacher. What? Oh, les personnages en blanc comme ça avec les yeux roses, ils ont été capturés par Mister Dadadou. Par les voilà, pas les espèces de larves. Ils ont été contrôlés, mon gars. C'est sûr. Regarde, ils sont derrière. Ces espèces de larves, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des gros caca. Moi, je les appelle les crottes, parce qu'ils ressemblent à des crottes. Voilà. Écoutez, c'est un bon moyen de se rappeler comment ils s'appellent. Ils s'appellent les crottes. Voilà, vous allez les appeler les petits caca, c'est nickel. Alors, on s'est caché pour assister à une classe. On doit savoir de quoi parle cette réunion d'urgence. C'est une réunion apparemment que... Oui, c'est Banbalina qui fait ça. Mais voilà, en fait, elle fait court. Genre, il nous voit pas d'ici. Donc, le sujet de notre réunion aujourd'hui est une overdose de givranium. On va commencer. C'est le plus récent, je n'ai pas peur de le dire. Apparemment, il y a une version du givranium qui a été créée par Mr. Dadadou.
Apparemment, le sérum a été avancé. Ouvrez vos yeux. C'est incroyable. Apparemment, c'est une meilleure version du Jivanium. Donc, le Jivanium, c'est pour rendre... comme Opilaburd, en mode giga Opilaburd. Enfin, version démoniaque. Un peu aussi comme Nabnab. Version Nabnab, Nabnab version ultra grand. Apparemment... il y a une overdose de givranium. Ok. Ouais, voilà. Ça donne ça, le givranium. Ça fait une forme démoniaque, mon gars, comme ça. Apparemment, une overdose ne nous domine pas. Elle nous fait que ressortir notre véritable potentiel. Elle nous donne de la force, la majesté, le pouvoir qui se cache derrière. Apparemment, ils ont une petite quantité de givranium en eux. Ils sont devenus eux-mêmes. C'est quelque chose d'incroyable. En fait, ouais, ils nous ont vus. Ah, cours. En fait, elle dit, c'est une menteuse parce qu'elle dit que, en gros, le givranium, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça ressort apparemment notre vraie nature. Mais non, l'Opilaburd là qui s'est transformé en monstre, ça n'était pas sa vraie nature. De base, Opilaburd, mon petit kiki, je l'appelle mon petit kiki, il était super gentil. Oh, ah ouais, parce que, oui. Attends, pourquoi ils viennent pas? Attends, oublie immédiatement ça. Syringen est déjà ici. Et apparemment, il doit payer pour ses actes. De quoi? Mais il a rien fait, Syringen. Ok, tout le monde s'est dirigé vers Syringen. On est tranquille. Franchement, Syringen, c'est le frérot. Hein. Franchement, il s'est rendu aux ennemis pour nous. Comme ça, nous, on est tranquille. Il s'est sacrifié pour nous. Moi, je dis pas non. Hein. Ah, franchement, merci, ma petite Syringen. Hein. C'est super gentil de ta part. Mais du coup, on est quand même tout seul. Moi, j'aime pas être tout seul. En plus, ça fait peur, Garten of Umban 7. Ah, au moins, on a la classe pour nous tout seul. On va peut-être voir des indices, des trucs comme ça. Ah. Oh. Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Oh. On a une carte. Ok. On a une petite carte pour ouvrir ça. Oh. What? Attends. C'est quoi? C'est gelé, mon gars. Oh, c'est un bloc de glace. Ah, faut trouver le moyen d'enlever cette espèce de bloc de glace là. Alors, ok, on a trouvé un cristal. Ok, d'accord. Il y a des rouages qui sont aussi glacés. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un puissance 4. Il fait un jeu de société, le frérot, en plein Garten of Umban 7. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What, c'est quoi? Pourquoi il y a des tuyaux là qu'on peut utiliser apparemment vu qu'il y a une espèce de truc. Ok. Alors. Ah, il reproduit le schéma qu'il a vu tout à l'heure. Ok, d'accord. Et ça va faire quoi? Ça va enlever la glace? Oh! Oui, j'ai entendu un bruit. Apparemment, c'est un étranger. Qui c'est qui parle? Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit comme un truc de gelée. Qu'est-ce qui se passe? What? Jester, il est gelé, mais attends, mais il s'est fait tuer, wesh! Mais il est mort! Oh, enfin, je sais pas si... Mais tout le monde est mort! Mais what the fuck? What the hell? Attends, mais c'est Syringen qui a fait ça? C'est qui a fait ça? What? Syringen a donc tué... Jester... Ouais. Oh! Eh ben... Je crois que Batman il a pas apprécié qu'on soit là, les amis. Bon, regarde, Batman, on l'a à peine vu. Bam, il nous a mis une droite dans la tronche. On a fait dodo, c'est sûr et certain. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur cette animation. Eh bien, écoutez, je sais pas du coup si Jester et Opilaburd et les larves, ils ont tous été congelés. Est-ce qu'ils sont morts ou pas? Je ne sais pas du tout. Je sais pas qui a fait ça. Je sais pas si c'est Batman. Je sais pas si c'est Syringen. Parce que de base, ils étaient partis à la poursuite de Syringen. Mais là, j'ai pas trop compris. Je vais pas vous mentir. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux me le dire dans les commentaires. Là, ton petit pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne YouTube. On rush les 100 000 abonnés, donc je le ferai pas sans ton aide, mon petit kiki. Bref, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Wissam, grand bisous à la prochaine. Ciao, ciao.